Mon bébé, elle essaie de faire comme maman. Si, 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 si. Tu nettoies le visage, Mathéo? Attention à tes fesses. Lilo, Mathéo, attention à vos fesses. Papa, regarde, il a dit, Dédé. Papa, regarde. Look, il a dit. Eh bien, mon Dédé. Allez, on est parti. Aïe, ça fait mal. Là, j'ai un point. Oh my god. Oh, ça fait mal. Pas trop, tu joues moins fort. C'est là où j'ai mal. Là. 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 Là, là ouais. Là, ah, je... c'était trop mal. Ah bon les amis, c'est parti. Moi j'ai mon petit café là avec nous. Moi c'est ma voiture maintenant. Une petite tasse à l'arrache pour qu'elle puisse rester dans la voiture. Attends, attends, on démarre, je pose ma tasse. Faut que je m'achète un cup pour... Ça existe, hein? De quoi? Des cups pour voiture? Mais non, dès que pour voiture, c'est genre quand t'es à Starbucks, tu peux prendre les, ah, les trucs de Starbucks yes, okay. Et ça reste, tu vois. Mets la clim dessus. Attends, je ferme la porte. J'ouvre la fenêtre. Voilà, merci, une meilleure va. Lumière. On va à The What Guy. The What Guy, c'est une boutique pour acheter des accessoires de CrossFit. Donc Joe il veut s'acheter une ceinture de CrossFit parce qu'il a trop mal au lombaire, donc on va aller acheter une ceinture de CrossFit. T'as les trucs pour changer ? On avait acheté des trucs mais ça va pas. Mais du coup, j'espère que... Parce que je vais vous expliquer un truc. Du coup, monsieur Bonami. Ouais. Donc, qui veut dire les vacances en France dit que ben les petits seront plus à la crèche, donc on va pas trop faire de CrossFit pendant 2 mois. On va galérer même à faire du sport. Je pense qu'on va faire très peu de sport même pendant 2 mois. Ouais, non mais ça c'est la réalité des choses. Non, c'est pas ça. Je me dis que je vais m'entraîner. On se dit toujours ça, mais on n'y arrive pas à s'entraîner. Du coup, ouais, on achète tout le matos et tout pour le CrossFit. Ouais. On se casse dans 2 semaines. Il faut qu'en septembre on n'abandonne pas le CrossFit. T'es folle ou quoi? Non mais que quand on revient à Dubaï, et ben on recommence. Mais moi J1, je vais à Dubaï, je m'entraîne direct. Parce que là, on va être équipé, on a tout, on a les cordes à sauter, on a tout. Mais ça se trouve, on va carrément lâcher l'affaire quand on revient à Dubaï. Je mais jamais de la vie, je lâche l'affaire. Donc du coup, vous nous verrez très peu faire du CrossFit. Moi, je peux dire quelque chose ou pas? En été. Quoi? Je peux dire quelque chose. Hilary est plus faite que moi pour le CrossFit, en vrai. Dans sa morpho, dans tout. Mais au-delà de ça, elle est hyper forte. Vraiment. Camion. Ah, j'ai vu. Ce serait dommage que tu arrêtes. Alors que je pense que tu peux vraiment faire ta compète. Alors, on va dire quoi, mais en fait. Ouais, je peux faire de la compète. Ouais, tu l'as dit, hein, la coach. Faut pas que tu lâches. En vrai, on aimerait bien faire du CrossFit cet été. Je sais pas s'il y a des salles de CrossFit. Je vous donne l'arrondissement. Vers Béthune. Vers Béthune, vers Bordeaux. Ben, Bordeaux c'est loin. Ouais, vers Bègle. Bègle. Donc du coup, on aimerait bien faire du CrossFit quand même cet été. On laisserait les petits à mes parents et peut-être les petits aux parents de Joe qu'on puisse aller s'entraîner. Mais pour ça, il faut qu'on trouve des comment salles. On va faire la parce fête que, en gros, cet été. On va aller à Saint-Tropez, Cannes, tout ça. On aura 2 enfants. Comment on va faire la fête? On fait la fête, on se promène avec eux. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ouais. Ça me rend ouf. Et les petits, il n'y a pas. Comme ça, il est. Il une blague. Et on peut pas faire de blague sur les réseaux, c'est le genre, il a pris une critique. Je veux dire, il n'y a pas comme les chiens des chenilles. Ok. Bon, on s'attend à avoir. C'est une blague, hein, parce que. Non, on va avoir des articles. Hilary et Giovanni recherchent un chenille pour leur enfant. Bref, sinon, s'il y a des salles de CrossFit dans le nord de la France, vers Béthune, des salles de CrossFit vers Bègle, donc Béthune, nord de la France, Bègle, sud-ouest, pas loin de Bordeaux, nous sommes preneurs parce qu'en fait, Basic Fit, Fitness Park, tous ces trucs-là, bah, du coup, ça ne suffit pas
Je pense qu'on peut quand même s'entraîner dans ce genre de salle, mais c'est pas adapté quoi. J'ai plus un faire de. Non, mais c'est, de pas c'est pas adapté. Pour le crossfit, il nous faut. Il nous faut des poids, des barres, des haltères et des cordes pour monter. Et des gros sacs de sable qui pèsent une tonne et. Bref. Sinon, on a hâte de rentrer en France. Ah ouais, je suis tellement content de rentrer dans mon pays. J'ai l'impression que tous les gens de Dubaï, quand ils rentrent en France, sont un peu blasés à chaque fois. Moi, c'est toujours un bonheur de rentrer en France. J'aime trop. 3 semaines dans le nord de la France, trop bien. Après, on va faire 3 semaines dans le sud-ouest, trop bien. Et après, on va aller dans le sud-est avec les petits, mes potes. Ça va être trop bien, franchement. Et Perle, elle va être trop heureuse. Elle pourra se promener partout. Parce que là, il fait trop chaud pour elle. Ça va être trop bien. Donc, on part dans 2 semaines pile poil. On est le 14, on est le 15. On est le 15 et on décolle le 29. Ouais. À 2h du mat, donc limite 13 jours. Dans 13 jours, on part. Le nord de la France, on arrive. Ça va aller vite, hein. On a loué une voiture pour qu'on puisse conduire tous les deux. Comme ça, bah, on va faire les quatre coins de la France et j'ai avec demandé, notre voiture. Et j'ai demandé à Larry qu'elle m'apprenne, parce qu'on va tellement dans le nord maintenant, qu'elle m'apprenne vraiment à parler un peu ch'ti. Et elle m'a promis qu'elle allait m'apprendre un petit peu ch'ti. Et je compte sur elle vraiment. Bon, Joe, il veut entendre parler ch'ti. Donc, mon père, il m'a fait une note vocale. Donc, je vais la mettre en route. Coucou la grosse. C'est ton père. Attends. On va monter. Enfin, je vais monter votre baraque. Attends. C'est ton père. On va monter. Enfin, je vais monter votre baraque. Et après, on va le mûcher. Je vais l'emballer. On va voir comment je peux faire. Je suis en train de dire à Joe, c'est bizarre que nous on a des mots en plus dans le langage ch'ti. La carrette pour une voiture. Et attends, et tu m'as dit quoi? C'est bizarre en plus parce que. Bah, c'est bizarre parce que c'est comme si tu parlais ch'ti, c'était une langue. C'est des mots inventés en fait. Il me dit en plus, c'est des mots qui n'existent pas. Ouais. Bah si, ils existent chez nous. Au nord, c'était les corons. Encore? Rien. Le charbon. Était un diamant rose, posé sur fond de silicose, ou de grise, des accidents du fond. This is good. Can you just try to... T'as fait le lombaire ici, ouais. Yes, very. Yes. Like to... Maybe. It just depends the size, right? The size is small. So I have to take small, right? Just check me now, I'll check. Okay, I check. Regarde la matière, elle est extraordinaire. Ouais, c'est tous les jours. Ah, c'est le rêve. Ouais.
deviner où est-ce qu'on est. On est à la salle de sport. Enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Mais on aime trop cette heure-là parce qu'en fait, les enfants ne sont, ils sont à la crèche. Du coup, ça nous permet après d'aller les rechercher, d'avoir fait notre séance de sport et d'être au taquet avec eux. C'est chaos, mais c'est de la bonne fatigue, donc ça c'est trop cool. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, le crossfit, c'est plus mes bijoux, ne porte plus mes colliers, mes boucles d'oreilles, je porte plus rien. Mais j'ai décidé que ben, tout, et ça c'est pas normal. Donc du coup, aujourd'hui, je vais reporter mes bijoux et je vais faire ça tout le temps maintenant. Les amis, au menu aujourd'hui, nous avons du push press, nous avons du push jerk et du split jerk. Ah là, là, on va faire le petit A. Et mom, c'est every minute. Donc chaque minute, il va avoir pendant 10 minutes. C'est 3 exercices à faire. Ok, allez, c'est le dernier, écarte les corps. Ça fait 8 minutes. Ah. J'ai froid pour toi. En fait, sur les 7 lèvres du sang, c'est bien faire chaud froid. Mais en ce moment, je fais plus trop les grosses courses. Du coup, je m'en mange pour la journée ou pour les deux. Donc là, c'est les avocats de toast de Monsieur Bonami. Ouch, help. Open. Il manque mon bisou. Et toi, tu mets ma série Netflix. Et ça, c'est mon avocat de toast avec un petit coca zéro. Il m'en reste un petit peu, mon tabasco. Et on file là. Moi, j'adore. Joe, il aime moyen.
Mais moi j'adore. Puisque je vous dis que je l'ai accompagné, je lui ai même tenu la main pour y entrer. Et c'était mon chauffeur personnel qui n'était pas plus sûr. Je lui ai dit ramener la demoiselle à Riviera Esmeralda, et c'est sûrement ce qu'il a fait. Et ce chauffeur, ça fait combien de temps qu'il travaille pour vous? Ça fait 6 ans et on a une totale confiance en lui. Vous pouvez me donner ses coordonnées? Oui. Bon, en dessert, je fais ananas. J'adore l'ananas et en plus c'est trop bien parce que c'est un brûle-graisse. Donc du coup, on va se faire de l'ananas. Les amis, aujourd'hui, je vais... Donc voilà, par exemple, les boucles d'oreilles coquillage ici, associées avec le collier coquillage qui va avec. Donc là, on a une jolie parure qui est super jolie, qui est en plaqué or. Et qu'on n'y pense pas et on ne sait jamais quoi offrir à un homme. Mais par contre, un bijou, ça fait toujours plaisir. À savoir aussi qu'on fait de la personnalisation, faut jamais l'oublier. Et que nos bijoux sont français, sont faits à la main à Paris. Et ça, c'est génial. Donc là, regardez, ce sont des bracelets de cheville pour cet été en claquettes, c'est trop joli. Donc là, on a un cori en plaqué or, on va l'avoir également en argent. Vous avez aussi 5 coris au niveau de la chaîne cheville, vous avez la trêve. Vous avez des petits coris comme ça avec des cordons, c'est super joli, avec un petit pompon. Vous avez des couleurs différentes et franchement, ça, c'est... C'est à coup sûr une valeur sûre pour l'été. Les amis, au-delà des bracelets de cheville, on les a sortis aussi en bracelet. Donc vous pouvez accorder votre bracelet avec votre bracelet de cheville. Et là, voilà, c'est un petit cordon avec un cori. C'est des bracelets tout simples de l'été, mais qui font un gros carton. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez au niveau du cordon et les coquillages comme ça, c'est... Bon, je me suis changée parce que je me suis rendu compte que j'étais en habit de sport et que les habits de sport ne mettent pas vraiment en valeur mes bijoux. Mais du coup, on a en ce moment sur notre marque, c'est les bijoux colorés. Ceci, on en a 4 coloris différentes. Ça, c'est un gros carton de l'été, mais aussi les coquillages portés tout le temps. Donc, entre les couleurs, les bijoux colorés et les coquillages, franchement, sur le site, vous allez trouver ce qui va vous plaire vraiment pour cet été. Donc là, par exemple, je vous propose la couleur bleue au niveau du collier, du bracelet. Donc, on a fait une parure à chaque fois, collier-bracelet. C'est super joli à porter. Franchement, c'est trop sympa pour l'été. Ça habille super bien. Donc là, je vous montre la couleur blanche au niveau de là. Que nos bijoux sont également à Saint-Tropez et à Dubaï, à Verde Beach. Donc Verde Beach, c'est vraiment le beach club hyper hype, hyper quali. Que tous ces bijoux, vous les retrouvez également au Verde Beach. Mais pour nous, bah, c'est vraiment trop cool, quoi. On est trop contents. Vous avez plein de couleurs. Je vous montre une autre. Là, c'est l'une de mes parures préférées. C'est un peu multicolore. Ça me fait penser au collier de bonbons qu'on mangeait quand on était enfant, qu'on faisait ça, qu'on allait manger les bonbons. Et comme il y a plusieurs couleurs, j'aime trop parce que du coup, ça match super bien avec les tenues. Et franchement, c'est trop canon. J'adore celui-ci. J'adore. Bon, sinon, on a aussi la couleur marron. Le collier, il est dans ma voiture. C'est celui que je portais juste avant d'aller au CrossFit. Et donc, du coup, voilà, il est dans la voiture. Mais on a collier bracelet aussi sur cette couleur-là qui est juste trop canon. Donc bien sûr, on peut porter les 4 ensemble. Montrer tout de suite, par exemple, ce que ça peut donner. Mais voilà, ça c'est mes 4 bracelets colorés de l'été. Voilà, si on porte 2 colliers ensemble, ce que ça donne. L'avantage, c'est qu'il y a une chaînette en fait sur les colliers. Donc du coup, vous pouvez mettre au plus serré et l'autre ben, plutôt au milieu ou au dernier cran. Et du coup, ben, ça vous fait 2 colliers comme ça. Et je trouve que ben, c'est trop joli. Pour l'été, c'est trop cool. Voilà, quand je vous dis qu'on a des coris, là par exemple on a un cori long
donc que je peux associer avec mes autres bijoux. Je trouve que vraiment c'est trop joli, hein, c'est trop ça. Ça tombe super bien là au milieu. C'est trop joli. J'adore. Donc là j'ai mes bracelets, les petites boucles d'oreilles, toutes nouvelles de la collection. Trop mignon. Et du coup je vais vous montrer, parce que du coup si j'enlève ce pliage, c'est parti, je vous montre. Donc voilà, là j'ai associé le collier 5 Cori avec le collier Cori long. Et du coup vraiment on peut s'amuser avec les bijoux qu'on a sur notre site, plein de mix and match, ça match super bien. Regardez, j'ai toujours mes bracelets. C'est bientôt la fête des pères aussi, on a plein de bijoux hommes, on a aussi des bijoux pour les petites filles, pour les petits garçons. On fait de la gravelier dans le Marais, pour ceux qui connaissent Paris, le Marais, tout ça. C'est vraiment une entreprise familiale et du coup, ben voilà, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on imagine et on adore ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on vous présente tout ça. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. J'ai une tache sur mon t-shirt. Bon, les amis, vous avez moins 20% sur le site Les Félines Paris avec le code promo été. Voilà, à l'occasion de l'été, pour fêter ça, n'hésitez pas, moins 20% sur le site. La livraison est offerte à partir de 100€ d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à aller jeter un petit coup d'œil sur la collection Summer. Et également, si vous voulez faire un petit cadeau à votre papa ou à votre mari, en l'offrant de la part de vos enfants, c'est ce que moi je fais souvent. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, on a des bijoux hommes, des bijoux femmes, des bijoux d'été, plein de choses, trop cool. C'est qui ça? Oulala, c'est qui ça? C'est qui ça? Ouais. C'est l'anniversaire de Sophia? Wow. Et Mathéo, il est pas content parce que lui, il a rien eu aujourd'hui. Il boude là-bas. Il boude. Gars, il boude. Il râle. Hé, râleur. Il râle, hein. Il râle. Il a décidé de plus faire la tête. Non, pas de fight. Ouh là là. Ok, Milo, allez, go. Waouh, Milo. Wouh, le fou. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Bon, pour papa, Joe. Bon, ce soir, je vais faire ma petite sauce bolo, ma sauce tomate, et du coup, avec des petites spaghettis. Bon, voilà ma sauce bolognaise. Donc il y a les pois de tomates et de l'eau. Et voilà. Et là, je mets un ou deux et puis voilà quoi. Bon les amis, je suis en cuisine et du coup, je suis en train de voir un peu vos messages sur Snap par rapport à toutes les stories qu'on avait faites par rapport au ch'ti, etc. Est-ce que ça vous tente de faire un meet-up? Donc un meet-up, c'est une rencontre avec nous. Dans le nord de la France, on se donne un lieu, une horaire et on se rencontre tous ensemble. Ça pourrait être vraiment sympa. Je me dis que voilà, j'ai fait les ch'tis il y a 12 ans, j'ai fait les ch'tis. Il y en a, vous me suivez depuis toujours. Il y en a, vous avez commencé à me suivre en cours de route. Mais en vrai, vous êtes hyper nombreux à me suivre au quotidien. C'est incroyable. Et pour remercier tout le monde, c'est vrai qu'en vrai, j'aimerais trop moi aussi vous rencontrer. Parce que vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Donc du coup, est-ce que ça vous tenterait un meet-up dans le nord de la France? On se donne une date, une heure et let's go.